Hier nuit, je vous le disais en titre, un incendie a ravagé un dépôt de bouteilles de gaz butane dans la commune du 8e arrondissement de la capitale. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. ADEF Ahmad Ben Rama. Il était 21h moins lorsqu'une détonation a créé la psychose au sein des habitants d'une partie de la ville de N'Djamena. Chacun s'interroge, mais personne n'est à mesure de donner à cet instant précis une réponse concrète. À l'origine, un court-circuit a déclenché l'explosion dans un entrepôt de gaz butane en plein cœur de la commune du 8e arrondissement. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers de la ville, le pire a été évité. Aucun dégât humain n'est enregistré, mais les pertes matérielles. Une importante quantité de bouteilles, de gaz est partie en fumée. Ayant descendu sur le terrain dès cette alerte, le directeur général de la police nationale, Tahir Erda, déplore le fait que les opérateurs économiques stockent le gaz dans des endroits non sécurisés. Pour le directeur général de la police nationale, les autorités compétentes doivent prendre leurs responsabilités. Le maire de la commune du 8e arrondissement appelle la population à éviter tout attroupement dans de pareilles circonstances. J'appelle à la population, si y a un événement de cette diable, il faut qu'ils s'écartent. Ils ne vont pas faire des attroupements dans la rue. Ne pas laisser les gaz dans les maisons. Il faut qu'ils laissent ça dans les dépôts. La prochaine, c'est très risquant pour la population. Il faut qu'ils veillent à ça. Bien que le pire a été évité, cet incendie doit interpeller la conscience et la responsabilité des détenteurs des dépôts anarchiques des gaz butane. La vie de la population en dépend.